et bienvenue dans ce petit journal spécial Vichy. Alors, on aurait pu vous parler de carreaux, on aurait pu vous parler de carottes. Eh bien non, pas du tout. C'est une présentation tout autre qu'on va vous faire. Et c'est parti. Dans mes bras, allez, tourne, tourne, reste avec moi, allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour, le soleil brille. Située aux abords de l'Allier, sous-préfecture du département, Vichy est une ville moyenne de 26 000 habitants, mais qui fait partie d'une agglomération beaucoup plus importante, la deuxième plus grosse d'Auvergne après celle de Clermont-Ferrand. Bien connue pour avoir une population vieillissante, Vichy voit pourtant petit à petit cette tendance s'atténuer. La ville compte quand même 2 000 étudiants, des jeunes qui viennent ici parce que finalement, la qualité de vie y est plutôt bonne. La ville, de par sa configuration même, a de véritables atouts, puisque c'est une ville très dense, ce qui fait qu'on peut y vivre en permanence à pied, il n'y a pas besoin. C'est une ville-parc, il y a de très nombreux parcs, le parc des Sources ici, mais aussi les parcs Napoléon, ce qui fait qu'il y a globalement une véritable qualité de vie, de par l'organisation même et l'urbanisme même de cette ville. À ça, vous ajoutez un programme culturel, un programme sportif très important, ce qui fait que notre ville a de véritables atouts sur le plan de son attractivité en général. Vous l'aurez compris, Vichy est une ville où il fait bon vivre. D'ailleurs, la ville a accueilli des stars, de très nombreuses stars. Et la première à être venue ici, c'est Jules César en personne. Tout de suite, on va parler du côté historique de la ville. La première fois que l'on parle de Vichy dans l'histoire, c'est en 52 avant Jésus-Christ, lorsque Jules César passe ici pour traverser l'Allier et aller à la rencontre d'un certain Vercingétorix. Dans le convoi romain se trouvent quelques médecins qui se rendent compte qu'ici, il y a de l'eau chaude et c'est le début des thermes. Alors de cette époque, il ne reste plus rien et il faut attendre le 19e siècle pour que cette activité thermale reprenne avec la ville qui se construit tout autour. On s'amuse, bien sûr, il y a la cure et l'après-cure, comme il y a le ski et l'après-ski. Au début, c'est les hôteliers, ce qu'on appelle les maîtres d'hôtel, qui vont organiser des fêtes dans leur établissement. On danse beaucoup, on fait des jeux de société, on fait de la musique et on se reçoit d'hôtel à hôtel. Mais petit à petit, ils se forment des espèces de coteries et c'est pas toujours bienvenu. Donc, petit à petit, il faut faire autre chose. Et c'est comme ça qu'en 1865, on construit le casino. C'est le premier d'Europe qui accueillera parmi ses visiteurs de nombreuses personnalités. L'une des plus notables, c'est l'empereur Napoléon III qui a séjourné à Vichy dès 1861 dans cette ville à Strauss et qui, 2 ans plus tard, se fera construire un premier chalet. Ce bâtiment, le voilà, avec des balcons. Il faut faire abstraction du premier étage, ça n'existait pas. Il y avait le balcon qu'au rez-de-chaussée et l'empereur ne fumait que dehors. Quand il était dehors, il y avait un attroupement devant le chalet et tout le monde saluait l'empereur. Alors pour sa tranquillité, ce n'était pas évident. Il a demandé à l'architecte, l'année prochaine, vous me faites le même et vous le tournez de 180 degrés. Évidemment, ce sera chose faite et ce sont 6 chalets qui seront construits en tout. À cette époque, l'activité de Vichy bat son plein. C'est une ville moderne et ce n'est pas si étonnant qu'en 1940, le gouvernement d'État français s'installe ici. Les hôtels qui accueillaient les curistes sont occupés par différents ministères, dont le plus célèbre restera l'hôtel du parc, celui où a séjourné Pétain. Ce journal de Vichy est maintenant terminé. On se retrouve demain. Bon, maintenant, c'est l'heure de l'apéro. Je crois que le Marseillais dirait que ça manque un peu d'anis. Allez, à demain.